Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer ce que ma mère et moi on a acheté pour ma petite cousine de 9 mois. Donc c'est un mini haul qui provient de Flyer and Copenhague Tiger. Donc si la vidéo vous intéresse je laisse avec la suite. C'est parti. Donc voici la poche où il y a les articles. Donc c'est pas la bonne poche, c'est la poche d'un autre magasin. Donc on va commencer par ça. Ce sont des petits pots avec un couvercle et un petit lama dessus pour mettre les compotes. Voilà. En fait, ça s'ouvre comme ça. Ça s'ouvre. Voilà. Ça s'ouvre comme ça. Il y a deux cuillères et comme ça, s'ils partent en voyage ou qu'ils partent pique-niquer, mon tonton, ma tata et ma petite cousine, ils mettent la compote dedans avant de partir. S'ils s'arrêtent à une aire d'autoroute ou sur un banc pour goûter, pour pique-niquer, eh bien, ils ouvrent le pot avec les petites cuillères. Ils font manger à ma cousine sa petite compote. Donc, c'est super pratique. On les a fait en rose avec un petit lama dessus. Là. Prochain article. C'est une timbale. Voilà. Donc, ça s'ouvre comme ça. Ça se dévisse. Voilà. Donc, elle est transparente. Le couvercle est un peu rose bébé comme ça. Trop mignon. Avec trois petits trous pour boire et un qui sert. Enfin, je sais pas quoi. Je sais vraiment pas à quoi il sert. Avec toujours un petit lama. Oula. Avec un petit lama dessus. C'est trop cute. Trop cute. Moi j'adore. Comment ça se fait? Voilà. Donc là c'est fermé. Comme ça, pour boire, c'est super pratique. En plus, il y a des petites anses comme ça. Bon, elle a que 9 mois, donc elle ne pourra peut-être pas le tenir, mais c'est plus pratique que de tenir la timbale comme ça. C'est pratique pour boire. Prochain article. Donc, c'est le dernier article, mais on s'est dit que c'était super pratique. C'est un petit bol qui passe au micro-ondes. Normalement, oui, c'est marqué là. Il passe au micro-ondes et il passe au lave-vaisselle. Donc ça c'est super pratique. Donc il y a également des petits lamas. Donc le bol est rose comme la timbale et rose comme les petits pots. Voilà. Il a une assez grande contenance, donc il est assez grand. Pour y mettre la purée, c'est super pratique. Il y avait aussi une assiette de la même couleur avec un lama au milieu. Mais vu qu'elle a que 9 mois, elle mange que des purées. Donc on lui a pas pris l'assiette, on s'est dit que ça ne lui servirait à rien. Mais peut-être que quand elle sera un peu plus grande, on ira lui acheter l'assiette. Voilà. Donc, super beau. Donc, il me semble que la timbale a coûté 1 euro, que le bol a coûté 2 euros et que ça, ça a coûté 1 euro. Voilà, de toute manière, je vous mettrai les prix et une photo de chaque article. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!